Le premier ministre italien Silvio Berlusconi a déclaré lundi que la paix au Moyen-Orient sera atteinte par des négociations seules, rejetant n'importe quelle action unilatérale comme la reconnaissance d'un État palestinien par l'Assemblée générale de l'ONU. Lors d'une conférence de presse commune avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en déplacement en Italie actuellement, Berlusconi a déclaré qu'il ne croyait pas qu'une décision unilatérale prise par les Palestiniens ou les Israéliens pourrait amener la paix dans la région. « La paix ne sera possible qu'avec des négociations », a-t-il dit, « et l'Italie est un des amis européens les plus proches d'Israël ». Le mois dernier, Berlusconi a dit que son pays ne reconnaîtrait un gouvernement palestinien d'unité nationale que s'il renonçait au terrorisme et reconnaissait l'existence de l'État d'Israël. Le premier ministre Berlusconi a proposé que les prochaines négociations de paix se déroulent sur le territoire italien.